Elle était du Congo, lui du Burkina Faso, il était commercial, elle recherchait un boulot. Leur relation fidèle faisait beaucoup d'envieux, mais ils ne verraient jamais leur visage envieux. Ils avaient des projets, auraient aimé voyager en bossant. Ils savaient que c'était bien engagé. Il disait à sa femme de préserver sa santé pour qu'un jour ce bonheur soit enfin comblé. Mais parfois Lulu, elle dormait seule dans son lit. Elle attendait angoissée son cher petit mari. Faut préciser que dans son pays, t'as beaucoup d'ennemis, là-bas l'argent n'est pas ton meilleur ami. Elle était partie en France pour ne plus être menacée, stockée comme un bagage dans un avion déglingué. Fallait survivre pour nous raconter la douleur de la fuite et l'abandon d'un bien-aimé. Je vous parle de Lulu. L-U-L-U. Elle eut le désespoir de perdre celui que son cœur avait élu. Je vous parle de Lulu. L-U-L-U. Elle eut le désespoir de perdre celui que son cœur avait élu. Parlons plus du passé, les continents les séparaient. Elle se cachait en France car là-bas on la torturait. Elle voulait partir avec lui mais dans les soutes pas de place. Il aurait tout fait pour subir ce drame à sa place. La mère les éloignait, l'amour les rapprochait. Je sais pas comment ils faisaient, mais je sais qu'ils se parlaient chacun de leur côté. Ils croyaient à ce bonheur, les mots qu'ils se lançaient formaient comme un pont pour leur cœur. Pour évacuer, elle s'asseyait sur la plage, elle ouvrait son cœur comme un livre, ouvre sa page, elle lisait une histoire d'amour magnifique, mais priait pour que la fin ne soit pas tragique. C'est une personne qu'on a tous croisée, CMU dans la poche, les mots aussi elle a mendié un peu d'humanité, de quoi pouvoir bouffer, de quoi faire battre son cœur pour un jour lui reparler. Je vous parle de Lulu. L-U-L-U. Elle eut le désespoir de perdre celui que son cœur avait élu. Je vous parle de Lulu. L-U-L-U. Elle eut le désespoir de perdre celui que son cœur avait élu. Et puis à ce soir-là où son cœur s'est emballé, impossible de l'arrêter. Il lui filait la nausée, elle ne respirait plus l'amour qu'il lui envoyait. Son cœur à lui saignait car là-bas, on l'abattait, prenant la place de l'amour. La solitude l'envahissait pas simplement seule. Son chéri la délaissait mais avant de partir, il avait déjà tout prévu dans moins de 9 mois. Elle sera plus seule Lulu, elle partagera ses peines avec son nouveau-né, elle va devenir française. C'était plus qu'inespéré, elle dira: tu sais mon fils, ton père avait tout planifié, il m'a rendu cette raison de vivre empruntée. Quand il sera plus grand, il voudra voir papa. Quand elle aura l'argent, ils repartiront là-bas et devant une tombe fictive, elle repensera à l'amour qu'on lui a pris de ses bras, à la haine qui la ronge parfois, à la vie, aux petits, à l'histoire, au mépris, à la force de l'envie, Lulu. Nous sommes à la fin, toi à peine au début, alors respire cette vie, tu le mérites Lulu. Lui te voit de là-haut, il est fier de toi et t'inquiète pas, il te voit même à travers les toits, fais-lui plaisir, fais grandir le petit, fais-le rire. Il affrontera beaucoup mieux la vie et si un soir il t'arrive de regretter, pense à l'avenir Lulu, tu n'as plus qu'à le tracer Lulu. Crois-moi, ton fils t'apportera cet amour qu'ils t'ont arraché des bras à Lulu. Crois-moi, ton fils t'apportera la force de supporter ce poids, Lulu. Crois-moi, ce sourire d'antan, tu le retrouveras. Lulu, ne baisse pas tes bras, ta peine un jour, crois-moi, on l'entendra. Oh. Pour toutes ces personnes qui font ce voyage d'Afrique jusqu'ici, oh, je vous parle de Lulu.